On y va tranquille, on y va tranquille. Prendre, voilà, on va la freiner un petit peu, tu vois, avec l'arrière de la voiture, voilà, comme ça elle freine un petit peu. Yo tout le monde, c'est Wesh92, j'espère que vous allez bien. Play your tube. Tu connais pas quoi? Yo tout le monde, c'est Mizuka. On est là pour le ANO Rival. Un tuto? C'est pas vrai. Oui, c'est quoi tout ça? Bah c'est ce qu'on leur réserve. À qui? Bah aux abonnés. Je rigole. Mais non, mais c'est dégueulasse. Tout le monde, c'est Wesh, j'espère que vous allez bien, mieux que moi. Moi, ça va s'entendre, je vais très certainement parler avec mon nez, parce qu'il est un peu bouché, j'ai le nez qui coule, genre j'ai tout en même temps, il fait super chaud, c'est rare en Belgique, mais il fait super beau, le ciel est bleu, on dirait que je suis en vacances. J'ai bien dit on dirait. Non, je rigole, mais bon, on s'en fout de ma vie, on va tester, enfin, il y a un truc qui m'intéresse sur ces workshops, c'est pas d'entraînement, c'est dans... Voilà, ici, dans Extra Steam Workshop, il faut aller télécharger, il sera dans la description, hein, Dribbling Challenge 1.1.1. Alors, sachez que j'ai fait une vidéo et ma vidéo, elle a planté de dingue, donc je recommence. Je suis un peu dégoûté parce que j'avais réussi des passages qui sont assez chauds à réussir, je vous le cache pas. Et là, je me dis, est-ce que la Endo, je la prends ou je prends une autre bagnole avec laquelle... Je me sens bien avec les dribbles. Franchement, la Endo, c'est classe. Je peux très bien prendre la Ice Charger. J'ai bugué. La Ice Charger, tu peux prendre la Dominus. Bref, prends quelque chose avec lequel. Enfin, prends une voiture plutôt avec laquelle tu te sens vraiment à l'aise pour mettre la balle déjà sur le dos. Je t'explique. Nous, on va partir sur une. On va partir sur une Takumi et on verra ce que ça va donner. Sinon, je reviens sur du Endo. Et puis voilà. Bon, on est parti, on perd pas de temps. Donc, le but de cette vidéo, bien sûr, c'est pas de vous faire un tuto dribbling, mais un tuto dribble tout court. Mais c'est surtout de vous montrer que voilà, ils ont enfin, façon de parler, il y en avait sûrement avant. Mais en tout cas, celui-là, il m'intéresse beaucoup. Alors, je sais pas s'il était sorti avant. Attends. Comment on faisait encore? Non, c'est pas ça. Attendez, on va quitter. Parce que j'avais fait le stage 1. On va commencer par le stage 1 sans faire exprès. Je suis rentré dans le stage 3. Mais bon. Donc je disais, je sais pas si c'est déjà sorti avant. Mais là, je le découvre maintenant. Je vous fais une vidéo. Et vous kiffez, vous laissez un like. Vous kiffez pas. Vous laissez un dislike. Vous faites ce que vous voulez, honnêtement. Mais bon, on y va. Hop. Donc là, le but, c'est très simple. C'est du dribble. Hein. Donc toi, tu pars en contrôle et tu... Donc déjà, on va dans le stage 1 si possible. Ok, le bug de ouf. Donc attends. Voilà, là ça bug moins, tu vois. Non, de temps en temps. Attends. De temps en temps, je te cache pas que. Le truc bug un petit peu. Bon, là c'est fait par des. Donc, comme je disais, ça bug un petit peu. Par contre, non. Tu ne vas pas tomber. Ça bug un petit peu, mais t'inquiète, c'est pas gênant. C'est pas aussi gênant que ça. Toi, le but c'est d'emmener la balle sur le truc noir. Alors là, franchement, faut le savoir. Mais tu vois, t'envoies la balle comme ça tout doucement. Tu fais un petit demi-tour. Et voilà, mais ça, faut le savoir. Par contre, tu vas rentrer, s'il te plaît. Voilà. Ça, il fallait le savoir, mais vous inquiétez pas. Ça, par exemple, c'est n'importe quoi, tu vois. Enfin, moi, c'est n'importe quoi, hein, pas le stage là. C'est passé. Alors là aussi, donc là, c'est un truc bien chaud. C'est-à-dire que là, il faut la monter. Ouais, là, je le découvre, mais. Avant de découvrir, ce que je faisais, c'était que je parcourais sans la balle, tu vois. Puis je revenais prendre la balle. Puis là c'est bien chaud, c'est-à-dire que là, faut monter là. Un petit contrôle. Ça passe. Non. Ouais, ok, moi je mets des grosses frappes. Alors c'est encore chaud. Ça, je me souviens, ça c'est vraiment chaud. Tu fais un petit dérapage ici, pour la mettre droite, et tu repars. Enfin, c'est chaud, façon de parler, quoi, mais faut une précision, tu vois. Et là, finalement, je trouve qu'avec la Takumi, je me sens pas mal, bien. Oh non, je voulais juste la mettre tout doucement sur le côté. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce bordel? Non, vas-y. Hey, c'est quoi ça maintenant? Hey, c'est sérieux ça? On y va tranquille. Voilà, on va la freiner un petit peu, tu vois, avec l'arrière de la voiture, voilà, comme ça elle freine un petit peu. Voilà. C'est bon, ah ouais, et attention, je vais vous montrer, mais voilà.
Dès que vous tombez, ça recommence. Hein. Vous touchez le mur, tout ce que tu touches avec des carrés, ça recommence. Ça va? Comme ça, tu sais. Là, tu vois, c'est un peu trop peur, tu vois, parce que la map, elle est un petit peu... Tu sens qu'il y a des petites bosses, il y a des petits trucs. Tu fais... S'il te plaît, tu veux bien monter? Voilà. Tu fais très attention, voilà, hop. Ah ouais, je me souviens. Ça, faut le savoir, tu le rates une fois. En fait, moi, j'avais fait quoi avant? J'avais fait ça. Désolé, en fait, mon PC a bugué et faut que je vous dise un truc. Vous êtes pas censé le savoir, mais je vous le dis quand même, tu vois. Ouais, normal, je suis revenu le lendemain. Si t'entends que j'ai une voix cassée de dingue, c'est parce que c'est le matin. En fait, je crois que j'ai vraiment une voix cassée de dingue. Je vous avais dit hier, je parlais avec le nez, maintenant je parle avec une voix chelou. Donc bon, on était ici. Je sais pas encore ce que j'ai dit, je me rappelle plus de ce que j'ai dit hier. Je sais pas si je vais couper au montage, on verra bien. En tout cas, j'en étais ici et je me souviens de cette partie bien délirante. C'est pas très difficile. Mais faut surtout pas qu'elle tombe, tu vois ce que je veux dire. Et normalement, c'est nickel. Voilà. Donc, bah, ceci clôt en fait c'est le stage numéro 1. Là, on est au stage numéro 2, en fait. Là, on est au stage numéro 2. Ouais, je sais, je fais n'importe quoi. Là, on est au stage numéro 2. Et regardez, je vais vous montrer. Donc, le premier pour les dribbles, il est fait pour le stage numéro 1. Il y a le stage numéro 2. Et ce que je vous propose, je vais en faire quelques-uns. On voit de quoi il s'agit exactement. D'ailleurs, j'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il faut à chaque fois faire les demi-tours, tu vois. Oh, j'ai raté. Il faut à chaque fois faire les petits demi-tours. Et t'as pas forcément l'espace avec les côtés qui sont... Là, par contre, il faut freiner un peu. Voilà. Non, là, c'est trop... Ouais, je savais. J'allais dire, en plus, là, je vais trop vite. Et il y avait un petit chemin, là, je crois. Enfin non, on va prendre les grands chemins. Tranquille. Là, comme tout à l'heure, il faut un petit peu freiner. Voilà, on passe comme ça. Voilà. Et c'est fait. Et voilà. Donc, pour les trucs niveau dribble, c'est fait. Et vous allez voir que stage numéro 2... D'où le fait qu'il soit hyper sympa. C'est aussi du dribble, hein. C'est de la conduite de balle pure et dure. Donc mettre la balle sur le dos. Et il faut pas qu'elle touche le truc blanc, en fait, hein. Ça, vous avez compris, je pense. Faut surtout pas qu'elle touche le truc blanc. Et alors, normalement, ça devrait passer crème. Ah là, par contre, attends. Attends, parce qu'il y a un truc qui m'intrigue, moi, c'est... Ça donne à la tête, ça fait mal aux yeux, le... Par là, ça buguait. Attends. Voilà. Ça fait un petit peu mal aux yeux, je vais pas vous le cacher. Eh, c'est dur, ça, quand même, hein. On va y arriver, hein. Ne s'inquiétez pas. Ouh là là, doucement. Ah, j'ai essayé. Tu me crois s'il y a moyen de... Mais allez, à chaque fois, je vais vers le truc noir, là. Attends, on va y aller très doucement. Ah, peut-être que là, une Dominus s'impose. Eh, j'ai même pas touché. J'allais y arriver en mode sauvage. Là, je crois que c'est mort. Attends. Ah, j'ai essayé de la faire passer au-dessus.
Ouf. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là, attends, je vois déjà le truc blanc en bas. C'est mal mis. Voilà, attends, on va faire en sorte qu'il tombe quand même bien. Eh, il faut... C'est un peu... Il y a un effet d'optique qui fait mal aux yeux quand même à chaque fois. C'est quoi ça maintenant? Ah. Est-ce qu'on va faire tomber, mais... D'une douceur. Faut bien se mettre droit, je crois. What? Genre, elle est tombée. Ouais, ok. C'est chaud, hein. C'est chaud parce qu'il faut... Il faut v'là la mettre bien. Ouais, mais c'est bon, là. C'est quoi, ça? Bon, là, je suis censé être droit, là. Voilà, putain, c'est chaud, hein. Ok, ok. Et maintenant, oula, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Là, il faut une belle demi-nuce, hein. J'arrive pas à faire le... Vous savez quoi? Ah mais non, mais elle va vers le mur, ça c'est dégueulasse. Oulala, ça va être dur parce que j'ai plus facile avec la Dominus de faire ce genre de choses qu'avec une Takumi. Maintenant c'est la bonne. En fait, je peux pas aller chercher la Dominus parce que je dois refaire tous les stages. Ah bah voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon les potes, je vais m'arrêter là. Première raison, j'ai pas le temps de continuer. Deuxième raison, ce qui arrive par la suite, c'est violent. Donc, ce que je vous propose, c'est une autre vidéo, si ça vous fait plaisir que je continue le stage 2. Du moins que j'essaie de le terminer. Je sais pas combien il y a de niveaux dans le stage 2. Mais je pense que là où je suis, c'est déjà pas mal. Mais les niveaux suivants, c'est très au contrôle de balle, genre sur le toit de la balle, sur le toit de la voiture. Et c'est assez chaud. Donc je crois que je vais revenir avec une Dominus et faire ça proprement. Donc si ça vous intéresse que je tente le 100%, ce qui est très 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 difficile, parce qu'en fait tu peux pas passer au stage suivant si tu ne réussis pas ce stage. Donc je suis obligé de faire un 100%. Donc si ça vous intéresse, laissez un like et dites le moi dans les commentaires. Si vous en foutez, on s'en fout complètement. Ce qui est sûr, c'est que je vais revenir avec une autre vidéo. Ça c'est sûr et certain. Donc comme je vous ai dit, hein, si vous avez envie de continuer le stage 2, je reviens dans une autre vidéo pour le stage 2. Le stage 1 on l'a terminé. Et ce qui m'intéresse moi maintenant, c'est l'air drag. Bon, vous savez bien que je suis un petit peu un cacaboudin. Je vous fais juste le premier si j'y arrive. Voilà. Voilà. Ça c'est le premier niveau. Je tente le deuxième, mais je crois qu'on va vite bouger. C'est un vrai entraînement d'air drag. Non, j'ai déconné. Non! Bon, voilà, vous avez compris. Allez, je le retente parce que c'est hyper addictif, je vais pas vous le cacher. Non, mais c'est chaud, il faut une précision de dingue. C'est un vrai entraînement d'air drag, je vais pas vous le cacher. Eh, mais j'ai même pas touché. Oh, c'est dégueulasse. Bon, une dernière fois, après je bouge, je vous jure, une dernière fois. Attends, je t'ai mal mis. Là, faut vraiment partir bien au milieu, tu vois. Non, non, non. Non! Bon, j'arrête sinon, je vais jamais m'arrêter. Je vous jure, je vais jamais m'arrêter. Vas-y, une dernière, vas-y. Attends, attends, ça, celle-là, elle comptait pas. Une vraie dernière. Non, ça, c'était vraiment pas une dernière. Une dernière où vraiment je suis bien parti, tu vois. Ça, c'est une dernière. Non! Oh! Bon. La suite au prochain épisode.
Non, vous êtes dégueulasse. Bon, en tout cas, ce mode m'intéresse beaucoup. C'est un vrai entraînement d'air drag, il n'y a pas photo. Donc, dites-moi quoi, laissez un big like si vous avez envie que je continue et l'épisode 2, enfin, et le stage 2, et la partie air drag. La partie air drag, j'en ferai une vidéo à part, donc quoi qu'il arrive, elle sortira. Mais la partie stage 2, est-ce que ça vous intéresse que je le tente? Dites-moi quoi, faites-moi part. Et on en reparlera. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un like si c'est le cas. Laissez un petit commentaire, comme je vous ai dit, pour le stage 2. Et on se capte au prochain épisode. Dites-moi aussi si je gère plus ou moins des petits côtés dribbles. J'essaierai peut-être de le refaire. Essayer de battre mon record, en fait. Le record de temps, c'est un truc que j'aimerais bien réussir. Mais entre record de temps et gérer... faut connaître la map au moins une fois. Faut vraiment l'avoir fait au moins une fois, parce qu'il y a des trucs que vous pouvez pas savoir, comme je vous ai montré. Enfin bref, moi je vous dis ciao, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. C'était Wesh avec une petite voix cassée. Et puis c'est tout. Allez, ciao, bye. Peace. Yo.